Nous allons fêter aujourd'hui un événement heureux. La décoration de notre cher ami Soumana. Mon cher ami Soumana, nous sommes heureux de vous décorer aujourd'hui. Cette médaille est le fruit d'un stage approfondi. Approfondi. Au nom de la direction, nous vous faisons expert commercial. Cet exemple se perpétue à l'établissement pour le bonheur du monde. Pour tout le monde. Merci mes amis. Merci. Félicitations mon ami. Vraiment merci beaucoup. Hey, vraiment tu es derrière nous. Mon ami, merci beaucoup, merci beaucoup. Hey, mon ami, on va marcher sur les gens dans ce pays là. Tchobo, 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 tchobo. Hey, mon ami, oh, félicitations. Hein. J'ai un bon marché là, on va travailler. Oh, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tout ce dont tu as besoin, tu peux compter sur moi. Tout à l'heure, je vais te parler. Et puis mon ami, bizarrement, hein, je ne sais pas, mais j'ai rêvé à ça. Tu t'es dans une grosse voiture comme ça. Tu voulais qu'on fasse. Oh, les gens te saluent. Zoom-moi, alors, ça va, petit. Zoom-moi, voilà, ça va. Ouais. Alors, tu es bon. Ouais, tout à l'heure. Hein. Bon, tu peux compter sur moi. Hein. J'essaie de moi, tout à l'heure. Ça va, maintenant. Je suis le directeur là. Monsieur le directeur. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Non, je suis là, ouais. À côté. Hey, mon ami, Zoom-moi. Merci, merci, monsieur le directeur. Hey, mon ami. J'oubliais. Tu peux compter sur moi. Ça, vraiment, il faut que je te le dise. Pas là, pas là. Mon ami. Donc, les amis, merci et à la prochaine. Mais t'as vu Zoom? T'as vu quoi les deux aujourd'hui? T'as vu? T'as vu? Ouais, les deux gros comme ça. T'as vu? T'as vu? Aujourd'hui les gars mangent, là ça mange bien même. Mais qu'est-ce que c'est basse? Ça fait. C'est pas basse. Mon gars, ouais. C'est pas basse. Moi il va clair. C'est basse. Si c'est fait. Si c'est pas basse là. Moi c'est basse. Comment tu as fait même pour cette médaille? Non mais c'est le travail, c'est le travail. Donc si je comprends bien, il faut d'abord travailler avant d'avoir une médaille, c'est ça? Eh mon cher, vraiment. C'est quand je te vois comme ça, Paul. Je suis content. Après des marabouts, comment il m'a fait? Il dit tu mens. Moi je vois clair. Si parti chez les marabouts, il dit j'ai vu. Tu es allé être qui? C'est le président de la République. Ah, mais t'as vu. Ah, vraiment, Zoom. J'ai tant pis. Bah, voilà, c'est maintenant qui arrive. Oh, ça va, ça va, ça va. On voulait te demander quelque chose. Tu vois, mon frère qui est parti. Tu sais que c'est un marabout qui t'a vendu une base pour toi. Voilà pourquoi tu as réussi dans la vie. Hé, attends, qui a dit ça? Qui a dit ça parmi les autres? Petit voyou. Attends, je vais te dire quelque chose. Si tu continues à mal parler de mon ami comme ça, je vais te casser la gueule. Regardez-moi ça. Je vais te tailler les dents du sud. Va engager d'abord des funérailles. Ça m'a fait que je vais te découper de pétachère et un bon sourire. Moi? Oh non. Moi, Zouya! Moi, Zouya! Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Ah, c'est comme ça. Toi, tu me connais. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Non, est-ce qu'il me connaît? Oh! Arrêtez. Est-ce qu'il me connaît? Arrête. Ah oui, mais. Regardez-moi ça. Attends, moi, je veux que je vous dise la vérité. Moi, ma réussite n'est pas le fait d'un maraboutage. Ah là, c'est le fruit de mes efforts. Ah là, c'est compris? Bon, allez. Voilà. Et si le marabout pouvait rendre quelqu'un riche, pourquoi lui-même ne serait pas riche? Alors, tu veux dire quoi par là? Comme on peut être pauvre type? Non, non, loin de moi, c'est qui. Non, attends, je ne comprends pas quelque chose. Hein. Pourquoi tu ne veux pas accepter que ton père soit un pauvre type? Hé, mais méfie-toi, hein. Regardez-moi ça. Son père est un pauvre type, il escroque les gens. C'est que c'est un pauvre type. Oui. Hein?
Bon, arrêtons ça comme ça. Hein? Attends, dis-lui de se méfier. Hein? Oui? Dis-lui de se méfier. Je veux te méfier. Hein? Pendant que tu t'as pas posé, il va te faire quelque chose. Ah, regardez-moi ça. Zoom, oui. Allons ici. Oh, ouais. Allons. N'est-ce pas de profiteur? Tu as compris? Co-profiteur, moi profiteur. Dis-lui que je ne suis pas un profiteur. Oh, oui. Non, il faut lui dire que je ne suis pas un profiteur. Oui, il n'est pas un profiteur. Hein. Toi-même, profiteur. Ouais. C'est pour toi qui es grave. Non, il m'énerve trop. Un enfant comme ça, il vient parler sur moi. C'est toi qui l'as accepté. Il ne pouvait pas te faire ça. Comment ça? De toute façon, tu as travaillé là, il ne va pas te donner de médaille. Moi-même, je l'ai le maudit. Comment? Tu as trop travaillé. Comment un directeur, depuis on dirait une machine, tu es là, tu travailles cric et cric. Bonjour, ça va. Moi, c'est à toi. Comment? Oh, tu es un grand. Mon cher. André, c'est Dieu même qui m'a donné un ami comme toi. Envoyé de Dieu. C'est comme ça que je t'ai appelé maintenant. Bon, voilà. Allons-y. Comme je disais, oui. J'ai repéré un gros village moderne. Voilà. Je t'assure que là-bas, si on vend 300 appareils, on sera les super. Tu parles mal. Il faut des 600 appareils. Tant que tu vas travailler avec moi, on va faire le double de ce qu'on fait. D'accord. Avant, il faut que je t'explique ce que c'est que l'aspirateur. Ouais. Là, c'est vrai. Donc, comme je le disais, c'est une machine qui aspire la poussière, tout ça là. Tu vois, non? La poussière, les grains de sable dans la maison. Ah, qui tire. Voilà, aspire. Je vois. C'est comme un pêcheur qui va avec son filet sur la lagune, il lance et il aspire le poisson qui est dans l'eau. Un aspirateur. Non, mais c'est pas ça. Et c'est le filet là, en branche. C'est une machine. Il dit l'aspirateur, c'est une machine qu'on branche et qui nettoie, qui enlève les ordures partout. Ah, t'as dit quoi, les ordures? Oh, mais j'ai trouvé! Je connais! Tu sais, non? Il y a des femmes, quand elles dépluchent leurs bananes, elles jettent la peau. Le mouton qui passe par là, par exemple. Alors, le mouton aspire la peau des bananes. Donc, le mouton est un aspirateur. Bon, il aspire quoi? C'est pas le fait d'aspirer, de rendre le coin propre. Ce matin, j'ai été médaillé et c'est mon directeur lui-même qui m'a remis la médaille. On doit s'éclater au maximum. Maintenant, je suis un expert agent de l'aspirateur. Bon, c'est parce que tu ne connais pas, mais c'est cette petite machine-là qui parfait, qui aspire tout. Quoi. Tu vois ça dehors? Tu es content? Je suis très content. On dirait que tu prépares Zoumana. Zoumana? Il a passé ma tête, les enfants criaient Zoumana. Zoumana, tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Il a passé la rentrée au bar. Ah, le monsieur le gros là. C'est lui. Hein? C'est lui qu'on appelle Zoumana. Hein? Ah bon? Tu ne prépares Zoumana? Non. Ah, toi aussi. Tu n'es pas du gardien, viens voir. C'est du gardien, mais je ne la connais pas. Zoumana? Oh le gros! Ouais, le gros, là, voilà. La grossière, quoi, là. Il est devenu gratuit? Ah bon? Il est devenu gratuit? Il dort dans des grands hôtels, là. Ah oui! Ah bon? Parce que, oui. Dis-moi là, c'est un truc. Le père en fils. Le père a pris. Le père de son père. Le père du père du père de son père. Et je me suis dit, sa maman aussi. Sa maman, elle va au marché. Elle vend 10 francs. Elle devient 100 francs. Quand elle vend 100 francs, c'est 1000 francs. Bon, c'est tout, c'est pas. C'est hiérarchique. Voilà. Et vous appelez héréditaire. Et puis aléatoire. Un peu vexé. Voilà, dans un contexte un peu éblouissant. Voilà. C'est comme ça. Puis bon, il a un ami même. Comment on l'appelle Ibo Laurent.
Ah, Ivo, c'est mon ami aussi. Ivo Laurent. Ivo Laurent, c'est mon ami. Ah bon? Oui, oui. Mais je mange toujours chez lui. C'est Ivo. Le voilà. Voilà, 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 Ivo. Oh, Ivo! 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 Bien, 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 bien. Oh, bien, c'est là. T'es un coco. Voilà comment il mange. On a James Brown. Non. Oh, bon. Ouais. Ça fait mieux. Oh, mais le chien, c'est ça. Ah. Comment ouais. Ça va? Ça va bien? Oui. Ouais. Oh, oh. Qui? Non, 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 non. Mais, ah. Mais, tu as fait le temps, oh, ça va. Oui, oui. Laisse, laisse. Okay. Ça va? Yeah, oui, ça va. Oui. Mais qu'est-ce que tu t'es devenu? Pousse, pousse, pousse. Ouais. C'est pas. Ouais. Comment ça? Mon chien, ouais, ça va. Hey, bon, ouais, ouais. Vous voyez, si on se voit plus, c'est parce que je bouge beaucoup. Hein. Moi, je bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, moi? Tu sors avec le grand sou? Oui, oui, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit ça. Mais vous faites quoi? Bon, c'est moi, là, moi, on fait du grand commerce avec Grasset. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, tu portes la veste maintenant. Oh, voilà. Pas quoi, la veste, la moindre chose. C'est devenu tel que. Tu sais, on fait du commerce. C'est pas pour jumeler. Bon, on vend des aspirateurs. Aspirateurs. Moi, je connais aspirateur. Mais comme tu es mon ami, tu dois tout faire, explique. Aspirateur, d'abord, ça vient du mot aspirer. C'est-à-dire prendre et envoyer. Envoyer. Tu vois, là donc, aspirateur. Par exemple, si dans ta maison, il y a des sous, tu peux placer ton aspirateur devant ta porte et ça aspire les souris. J'ai dit, même mon ami. Là, c'est pas professionnel. Attendez d'abord, même devant les femmes. Tu vois, mais ça aspire un peu le pied, moi. Mais c'est le travail. Mais c'est le travail. Ta bigueur. C'est pas facile. La puissance. Oui. Le courage. Oh, les femmes. Il faut le vendre. Il faut le vendre. Là, il faut de la vigueur. Oui. Mais comment vendre alors? Comment tu dis? C'est de ça qu'il parle. Ah, oui, il faut de la vigueur. Il faut être éveillé. Oui, oui. Il faut de l'alternative. Si tu veux. Il faut la manialer. Ouais. Voilà. Vraiment. Il faut être aléatoire. Non, 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 pas aléatoire. Parce que là, quand c'est aléatoire, on peut douter de toi. Ouais. Vraiment, il faut être. Aléatoire, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un truc qui est sûr. Ah, d'accord. Oui, c'est un truc hypothéqué. Bon, c'est sûr. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Mais comme je suis pressé. Non, mais explique-nous l'aspirateur. Mais je vous ai déjà expliqué. Mais je dis ça aspire. Mais c'est toi. Donc ça peut. Mais comment tu fais pour vendre? C'est ce qu'on veut savoir. Comment tu fais pour aller à vendre? Bon, pour aller à vendre. Ouais. C'est ça. J'ai dit, il oui. Faut d'abord être un homme éveillé. Bravo! Il faut être vigoureux. Voilà. Je l'ai déjà dit. Oui, tu vois, c'est vrai. C'est et vrai. Puis, d'abord, Zoumana, oui. Je vais vous dire un petit secret. Son patron même, il me fait la cour, il dit Zoumana n'est pas fort. Depuis qu'il m'a embauché, ça fait 2 semaines, son patron a vu que je suis le plus. Les grands démarcheurs, nous-mêmes, ils vont le laisser tomber tout de suite. Ah bon? Ouais. Moi, je vais le raconter. Je suis très heureux d'être avec toi, tu peux comprendre. C'est vrai. C'est moi. Bon, il est là maintenant. Viens, toi, m'apprendre la chose maintenant. Attends, reste tranquille, on a tout le temps. Quel temps ça? Moi, vraiment, je suis pressé. Il faut vite faire. Écoute, moi, c'est chaud. Je suis très content aujourd'hui, donc laisse-moi m'éclater au maximum dans le. Mais mets-toi à l'aise, yo, mets-toi à l'aise. Bon, écoute, moi, je vais à la piscine, hein, je reviens. Oh, mais Zoom. Allez, oh, je vais à la piscine.
moi, hein. Ouais, moi, quand je travaille, hein, c'est comme ça. Je suis tout tellement chaud. Hein. Moi, c'est Ibo Laurent. Rachel. Ah, Rachel. Enchanté. Oh. Oh, mais vous avez une belle montre. Merci. Vraiment. C'est à combien ça? 15 000 francs. Oh, c'est bon. Vous avez des jolis doigts, tout ça. Merci. Ah ben, quand je vous vois, c'est mon goût, quoi. Oh, quelle belle chevelure. Vous savez, hein, moi, je suis un jeune, bon, ah ben, je suis beaucoup timide. Mais tout, c'est mon goût. Non, attendez, je vais vous dire quelque chose. Ibo. Non, elle est là. La voilà, elle est là. Non. Oh, ce n'est pas, ça va. Non, tu étais là, non? Je n'aime pas les histoires. Tu as fini? Non, c'est fini. Fini? Je n'ai rien commencé, mais... Ah ben, je... Ah, merci. Bon, on s'attrape pour le respiratoire, là, hein? Ok? J'allais les manger. Chères sœurs, je vous remercie d'être venus au jugement de ce matin. Nous allons commencer par remettre la parole au plaignant. Chef, la poule, c'est ma poule. Je l'ai fait venir du village de mes beaux-parents. C'est une poule qui vient du village de mes beaux-parents. Ça veut dire ce que ça veut dire. La poule pond des œufs. Lui, il les bouffe. Elle fait des poussées, il les bouffe. Et maintenant, c'est la poule même qui l'a bouffée. Je lui parle de me rembourser. Il me parle de la location. Silence. Nous avons entendu le plaignant. Nous allons maintenant écouter l'accusé. Mais je te préviens, si tes explications ne sont pas convaincantes, tu vas lui rembourser un mouton. Je t'écoute. Hé hey chef, pour une affaire de poulet, il faut acheter un mouton. Tu t'es mal rêvé ce matin. Je te rappelle qu'après tout, c'est moi le chef. Ou bien je ne suis pas chef. Silence. Mesure tes paroles. Explique-toi, je t'écoute. Chef, c'est moi qui paye ma maison. La poule a pondu des œufs chez moi. J'ai bouffé ses œufs. Et puis, elle ne pond plus. J'ai bouffé elle-même. Chef, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas le chef.
Dis-leur de m'attendre, j'arrive. D'accord. Vous avez fini maintenant? Vous avez fini de vous comporter comme des enfants? Nous avons des étrangers, ça ne noie pas notre village. De toutes les manières, le verdict est connu. Tu lui rembourseras un mouton dès la fin de ce mois. La séance est levée. Le chef arrive. Alors, mes amis, faut... Ce sont des diables ou bien c'est quoi ça? Ne faites pas comme ça. Quand vous venez chez quelqu'un, faut bien s'habiller. Non, c'est pas pour moi, mais les enfants, s'ils voient ça, c'est pas bon. Non, comme ça, quand vous venez dans un village, vous habillez bien, ça va, tout le monde est content. Vous faites... Non. Bon, asseyez-vous. Oh. Bonne arrivée. Voilà, comme ça, c'est bon. Ouais. Quand on vous voit, on sait que ce sont des hommes. Oh, ouais. Joli, joli, ouais. Ça marche. Ouais, ouais. Bonne arrivée. Oh, merci beaucoup. Ça va bien? Oui. On vous donne de l'eau? Ah, oh non, ça va, ça va. Madame. Ah bon? Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, monsieur le chef, nous sommes venus pour vous proposer un grand truc. Chef, on a un appareil qui fait du gros travail comme ça. Non, chef, ça là même les blancs chez eux, il y aura un. Mon village a la chance alors. Oh monsieur, et puis vous êtes les premiers à voir ça parce que mon ami même est au courant. Même les plans même, c'est un chez eux. Alors monsieur le chef. Excusez-moi. Bon, chef, nous vous remercions pour l'accueil chaleureux. Et mon ami, moi, nous sommes des vendeurs d'aspirateurs. Voilà. C'est une nouvelle machine qui est venue. Et qui vous fait gagner la santé, l'économie et surtout le temps. Voilà. Comment ça se passe? La santé d'abord, parce que vous n'allez plus vous écorcher les doigts, les bras, tout ça là, avec les balais. Non, ça c'est fini. Le temps, ça veut dire qu'en un rien de temps, allez, l'aspirateur a fini de nettoyer votre maison, votre terrasse, tout. L'économie alors, il ne coûte rien. Parce que même vous pouvez vous faire payer par les GVC. Non, ça, il n'y a rien. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Ouais, c'est bon, hein? C'est bien. Mais lui, il parle bien, hein? Faut que tu vas expliquer quoi. Oh, expliquer bien quoi. De âge. Il explique bien. Bon, monsieur le chef, faut comprendre. L'appareil, on appelle ça aspirateur. Oui. Voilà un exemple. Il y a des enfants qui ont l'indigestion, par exemple. Ils ont un gros ventre. On va à l'hôpital, on leur donne des médicaments, mais le ventre ne va jamais en arrière. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, mais j'ai vu quand je venais. Alors, avec notre aspirateur, tu enlèves, tu mets quelque part. Ouais. Quand tu appuies le bouton, fou, tout ce qui est dans son ventre. Et si tu appuies fort, ah non. Ah. Non, c'est bon, hein. Et puis, non, attends un peu. J'ai dit, ce n'est pas tout. Attends, va parler. Je vais parler. Il y a des souris dans ta maison, non? Ouais. Oh, c'est fini. Ah bon? Avec l'aspirateur, tu mets ça devant la porte comme ça. Monsieur le chef, quand tu appuies le bouton, là, toutes les souris comme ça, brrr, ça les attire. Il y a d'autres mecs qui vont tenter de s'accrocher. Vous, ça les attire. Monsieur le chef. Après, il va dire encore. Et puis avec ça, même on n'a même plus besoin. Combien de temps votre femme prend pour balayer toutes ces grands coups là? C'est trop long. Avec notre aspirateur, même elle n'a même plus besoin. Elle est devant sa porte, elle fait sa fond. Ça c'est bon. Tout ce qui est dans la cour, ça rentre. Donc monsieur, c'est vraiment l'événement du siècle. Et on est venu pour vous vendre ça à un prix ami, hein. Donc il y en a.
Il y en a beaucoup. On peut faire même la démonstration devant vous ici. Vis-à-vis ici, comme vis-à-vis ça. Vis-à-vis ici. On va faire voir. Sinon, c'est un appareil bon, hein. C'est très bon même. Même ta dent te fait mal. Tu mets ça à côté, clic, ça quitte. C'est bon, hein. Attends, on peut voir. Donc, c'est ça. Il faut laisser ma tête. Ah. Comment moi je vais expliquer ça aux autres d'abord? Il faut qu'il explique. Bon, donc, je veux dire, monsieur le chef, si vous êtes d'accord, ouais. Nous allons vous faire une démonstration. Une démonstration. Après, maintenant, vous pouvez payer. Voilà. D'accord, bon, ça va, ça m'arrange. Vous pouvez payer ça pour nous. Vous pouvez prendre un. On peut prendre pour tout le village, hein. Ça soigne, ça arrange le champ. Oui. Ça lève les dents, ça tue les souris. Tout. Ça ouais. Fait tout. On a qu'à essayer, voilà. Ça soigne. Bien d'accord, donc on va faire une démonstration. Bon, on va mettre les ordures là et on va faire la démonstration. Ah, on a les passes à l'île de quoi encore. Oh, on va. Monsieur le chef, ne plaignez pas. C'est bon. Non, qu'est-ce que non, vous avez à craindre ? Monsieur confiance. Le chef, je vais vous. Moi je vous rassure. Non, on va. C'est ma dernière femme qui a nettoyé là. Je veux pas la fatiguer quoi. C'est comme ça, tu donnes l'appareil. Notre aspirateur nettoie comme s'ils avaient lavé avec du savon. C'est moi qui dis ça. On verse la poubelle ici et vous allez voir la démonstration. Si ça marche pas là, mon ami que voici va bouffer ça tout de suite. Non, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien même quoi. Faites-nous confiance. Il dit qu'on va taper, il n'y a rien. Ça va taper de quoi? Bon, on peut commencer, non? Oui, on va commencer. T'allais prendre... On va prendre l'aspirateur. Et la richesse vient comme ça, la richesse vient comme ça. Alors donc, ma machine ment tes ordures. Oui, oui. Oui, chef. Ah, bonjour, Camille. Oui. Comment ça va? Ça tombe bien, hein? Ce sont des messieurs bon. Qui viennent de la ville avec une machine. Ils disent que ça ment tes ordures. Ah, oui. C'est un aspirateur, c'est un aspirateur. Ouais. Ça mange les ordures. Ouais. Ça mange. Ça fait beaucoup de choses, mais il va essayer tout de suite. C'est curieux. Je suis pressé de savoir ça. C'est la richesse pour nous. 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 Mais je vais aller chercher les ordures. Voilà. Et il dit que si ça ne mange pas les ordures, eux-mêmes ils vont manger. Mon frère, donc c'est la machine-là qui mange les ordures. C'est celle-là même qui mange tout. Et si ça ne mange pas, t'en fais pas. Si ça ne mange pas, mon ami va manger. Mon frère, on va manger. Mais là, non. On va manger. Tout ça, c'est ordure. Bon, voilà les ordures, hein. Vous voyez ça? Eh bien, c'est ça qui va manger ça. Fais bon, la démonstration. Tu leur montres le bouton qu'on appuie et puis ça mange. Là, clic, voilà. Et puis là, ça mange. Voilà la tête. Voilà la tête. Qui mange la bouche, ça mange. Voilà, tu vois le bas, le gros bas qui. Le gros bas. Voilà, qui mange ça, c'est ça qui mange. Va mettre à fonction, va mettre à. Voilà, dépêche-toi. Donc vous allez voir tout de suite la démonstration et vous allez voir le miracle. C'est dur, hein? Ah oui. Vous voyez ça? C'est dans le coup. Oui, mais c'est ça. Ça, le miracle. Tu as fini là-bas, hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Change pas. Là, le courant. Il va mettre ça. Ah non, il n'y a pas de courant ici. Maintenant, les données changent. Mon frère, vous avez dit que si la machine là ne mange pas les ordures, vous allez manger. Donc, vous mangez. Il n'y a rien à faire. Manger. Non, mais c'est pas ce qu'on fait. Oh, mon frère, manger. Tu ne peux pas manger ça là. Camille, tu ne veux pas mettre mal à l'aise les étrangers, hein? Chef, faut laisser. Ils ont dit que si la machine ne mange pas, ils vont manger. Donc manger. Qui a appelé ce monsieur là même? Tu le connais avant? Mon frère. Manger. Allez, manger.
Pour manger. Manger, on